Bonjour à tous, bonjour Bertrand. Bonjour à tous, bonjour Julien. Eh bien, toujours dans ce contexte particulier, on vous propose un deuxième live. Voilà, petit point sur l'actualité de la ferme. Sur la ferme, tout va toujours bien. D'un point de vue technique, ça tourne. Les activités de recherche sont maintenues pour le moment. Et il y a juste une chose qui change, c'est les relations qu'on peut avoir avec vous à travers les nombreuses formations qui sont faites à cette période sur la ferme. D'où l'idée, du coup, de vous proposer ce deuxième live sur une thématique qui questionne beaucoup, le croisement Angus-Taurinier. Pourquoi et comment? Donc, comme la semaine dernière, on va vous proposer un exposé en trois temps. Un premier temps durant lequel, avec Bertrand, on va vous présenter un support de communication qu'on a préparé. Ensuite, une petite immersion sur le site de la ferme avec du visuel. Et enfin, un temps d'échange avec vous pour répondre à vos questions. Eh bien, c'est parti, tout de suite, une petite présentation sur le pourquoi, le comment, du croisement sur la ferme. Alors, c'est une thématique qui suscite énormément de questions, tant pour les conseillers, les éleveurs, les étudiants, enfin, tous les gens qui sont amenés à côtoyer la ferme, en fait, nous questionnent énormément sur cette problématique. Il y a plusieurs raisons sur le fait qu'on se soit engagé dans cette problématique. Et elle ne répond pas uniquement à un effet, bien sûr, de mode, parce que c'est vrai qu'il y a un engouement important autour de la race Angus en ce moment. Et il y a des composantes techniques qui nous semblent pertinente à étudier et c'est pour ça qu'on s'est engagé dans une recherche sur cette problématique. Alors avant de commencer l'exposé, on va vous proposer une petite présentation très rapide de la ferme hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc la ferme de Taurinier, c'est avant tout un outil de recherche dans lequel on fait des essais analytiques. Et tous les bons résultats en fait issus de ces travaux analytiques sont réintroduits dans le système en vraie grandeur, ce qui en fait aussi un outil de démonstration, un système prototype qui avance au pas à pas des acquis de la recherche. C'est aussi un outil de communication et de formation, comme par rapport à l'exercice qu'on vous propose aujourd'hui. C'est une SARL avec 12 actionnaires, l'actionnaire majoritaire étant la Chambre d'agriculture des Pays de la Loire, et puis on a 11 autres actionnaires qui se sont associés il y a 20 ans pour créer un collectif au service de l'agriculture biologique, mais aussi de l'agriculture dite durable, hein, donc soucieuse hein, de préserver les terres et les façons de produire pour les générations futures. Aujourd'hui, en termes de moyens de production, on a une structure qui fait 145 hectares. Qui est à 84% consacré à la production de fourrage et à 16% à sa surface qui est consacrée à la production de culture, parce qu'on a un système qui est complètement autonome. À peu près 5 essais d'essais hors rotation, et le tout sur un potentiel agronomique modeste. Comme support animal, on a notre troupeau de vaches allaitantes, qui est composé de 70 vaches de race limousine, qui représente 120 UGB et donc un chargement de 1,1 UGB par hectare de SFP, donc qui est adapté au potentiel agronomique de la ferme. Et le tout dans un système naisseur-engraisseur complètement autonome. Alors pour aller un peu plus loin sur le modèle animal, en fait, notre troupeau il est conduit en double période de vélage stricte, donc 2 mois de vélage à l'automne, septembre-octobre, et 2 mois au printemps, mars et avril. Le tout, en fait, nous permet en fait de maîtriser la partie intervalle vélage et aussi de faire veller jusqu'à présent, enfin, et ça a changé depuis un an, mais nos génisses à 30 mois. Au niveau de la conduite du troupeau, on a une conduite génétique qui vise à avoir un profil mixte viande. Donc d'un point de vue génétique, quand on reprend les derniers index publiés dans le bilan génétique, eh ben, on voit que la ferme elle est à 104 de développement musculaire, 98 de développement squelettique et 100 en CRCF, quoi, en potentiel de croissance. Donc du coup, un vrai troupeau mixte viande. Voilà, donc ça c'était quelques éléments de contexte qui vont permettre après de mieux comprendre la suite de l'exposé. Donc on va commencer par illustrer quelques constats qu'on a réalisés sur la ferme. Donc il y a une grosse étude qui a été menée en 2016 en fait sur une base de données qui rassemblait les 356 femelles qui ont été abattues sur la ferme depuis sa création, donc ces 356 femelles donc de 2000 à 2015.
Et donc, pour prendre une première photographie un petit peu de ce qui s'est passé en termes d'évolution, donc si on regarde la moyenne du poids de carcasse qu'on avait sur les premières années de la ferme, c'est-à-dire la moyenne 2000-2004, et si on la compare par rapport aux 3 dernières années de cette étude, donc 2013, 2014, 2015, on constate bien qu'on a une augmentation assez importante en fait des poids de carcasse, presque une cinquantaine de kilos. Hein, les vaches sont passées de 420 kilos de carcasse en 2000-2004 à 447 kilos sur 2013-2015. Derrière, par contre, ça ne s'est pas forcément traduit par une amélioration en termes de classement. On reste sur des classements qui sont plutôt corrects. Hein. Sur du R+, U-, il y a la moitié de l'effectif qui est en R+ et la moitié à peu près en U-. Par contre, ce qui a beaucoup changé entre ces deux périodes, c'est les durées de finition, qui étaient à peine de 3 mois au début de la création de la ferme, et puis qui se sont allongées au fur et à mesure et qui ont atteint, donc sur les années 2013 à 2015, 140 jours de finition. Et le corollaire, en fait, derrière, c'est quand même un accroissement de la quantité de concentré qui a été utilisée sur cette phase de finition. Alors, il y a eu un petit peu d'augmentation de concentré quotidienne, mais c'est surtout lié à l'augmentation de la durée de finition, où on a quasiment doublé la quantité de concentré sur cette phase de finition de nos vaches. Donc, si on fait un peu un premier bilan technico-économique de ces évolutions, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, nos classements et même nos notes d'état d'emplacement n'ont pas évolué. Donc, en termes de prix, on peut prendre un prix constant des années 2000 jusqu'aux années 2015, donc là, qui a été fixé à 5,10 pour faire cette approche. Et on se rend compte que donc le produit vache a augmenté juste par l'augmentation en fait du poids carcasse, qui représente une augmentation quand même de 235 euros. Et maintenant, si on impute les coûts alimentaires sur la phase de finition avec l'augmentation de la durée, qui se traduit par une consommation à la fois de concentré et de fourrage supplémentaire, on a un accroissement en fait du coût alimentaire en finition qui est passé d'à peine 200 euros sur les années 2000-2004 à quasiment 400 euros, 384 euros sur 2013-2015. Donc, qui se traduit par un surcoût quand même du coût alimentaire sur la phase de finition de 190 euros. Donc on a un gain économique de 235 euros sur la carcasse. Par contre, on a un surcoût sur l'alimentation de 190 euros, ce qui signifie qu'en fait notre marge sur finition, en fait en l'espace de 15 ans, ne s'est améliorée que de 45 euros. Et là, on ne compte pas non plus le temps de travail supplémentaire lié à c'est quasiment 1 mois et demi de plus de finition sur les animaux. Donc ça a été un premier constat qui a quand même posé quelques questions. Alors, diapo suivante. Là, on est toujours sur la phase d'engraissement, toujours les femelles, et cette fois-ci, on va prendre que 111 femelles issues des 356 utilisées dans la diapo précédente. On va s'intéresser aux deux courbes qui sont présentes sur le graphique. Donc, vous avez en ordonnée le GMQ exprimé en grammes par jour, et en abscisse, vous avez des phases d'engraissement entre le premier et le 45e jour d'engraissement, entre le 45e et le 75e jour d'engraissement, etc. Courbe verte, vous avez l'évolution du GMQ, donc qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle la cinétique d'engraissement pour les vaches de moins de 6 ans. On observe qu'au départ, elles ont des GMQ légèrement supérieurs à 800 grammes par jour. Elles atteignent un maximum autour de 1000 grammes par jour en moyenne vers le 75e jour d'engraissement. Et après, on a une chute du GMQ sur la fin d'engraissement. Si on prend cette fois-ci les vaches qui ont plus de 6 ans, et bien là aussi, le GMQ initial, il est légèrement supérieur à 800 grammes par jour. Par contre, le maximum est atteint légèrement plus tôt et est légèrement supérieur à 900 grammes par jour, avec derrière, en fait, une diminution de ce GMQ avant le 75e jour d'engraissement. Par rapport à ces deux courbes, on va s'intéresser sur la partie qui est hachurée en orange, qui correspond en fait à peu près aux 30 derniers jours d'engraissement. Qu'est-ce qu'on observe sur nos vaches qui ont moins de 6 ans? Et bien, sur ces vaches qui ont moins de 6 ans, par jour, sur la fin de l'engraissement, elles produisent 525 grammes de carcasse, soit un produit de 2,68 €. Si on met en parallèle le coût de notre ration, la ration, en fait, elle atteint un coût de 2,60 €. C'est-à-dire qu'au bilan, sur les 30 derniers jours d'engraissement, et bien, on achète les derniers kilos. Maintenant, on prend nos vaches qui ont plus de 6 ans. Là, on est à des GMQ beaucoup moindres et donc le gain de carcasse par jour est, lui, autour de 350 grammes, ce qui est relativement faible.
et il rapporte 1,89 €. Par contre, le coût de la ration, il est toujours le même. Peu importe l'âge de la vache, le coût de la ration est toujours le même, donc 2,60 €. Donc cette fois-ci, on se rend compte que sur les derniers jours d'engraissement, par jour, on perd quasiment, enfin, 71 centimes. Donc du coup, ça nous questionne vraiment sur l'opportunité de ces derniers kilos en phase d'engraissement, parce qu'a priori, ils ne rapportent que très peu, voire ils font perdre l'argent à l'éleveur. Quand on a publié ces résultats en 2016, on a du coup directement lancé un nouveau programme expérimental pour comparer l'impact de deux itinéraires techniques sur ces vaches de réforme. On a regardé, donc c'est la dernière ligne de la diapositive, on a regardé des vaches qui sont engraissées selon une conduite pour les amener à une note d'état à l'abattage de 3, qu'on a comparé avec des vaches qui sont abattues à une note d'état de 2,5. L'idée étant d'aller jusqu'à la qualité de la viande. Enfin, la qualité de la carcasse et la qualité de la viande, et dans cette qualité de la viande, on aura la qualité organoleptique. Donc ce sont des travaux qui sont menés actuellement sur la ferme. La deuxième série va commencer l'année prochaine, et on pourra conclure en fait sur l'opportunité ou non de moins bien finir nos animaux et voir s'il y a un impact derrière sur la qualité de la viande. S'il n'y a pas d'impact, ça peut être un levier à mobiliser en élevage. S'il y a un impact sur la qualité de la viande, eh ben, ça ne sera sûrement pas un levier à mobiliser en élevage parce que ça pourrait mettre en péril après les équilibres au niveau de la filière. Alors, autre catégorie animale qui est produite sur la ferme, donc ce sont des bœufs. Donc là, on va regarder un peu l'évolution du poids de carcasse. Donc c'est des bœufs qui sont abattus à 32 mois, donc c'est des bœufs qui sont relativement jeunes, assez lourds, on va le voir, et finis. L'objectif, voilà, c'est d'être sur des animaux finis. Alors si on regarde, hein, sur nos bœufs, on a une évolution de l'ordre en 10 ans, on est passé de 415 kg de carcasse à 485 kg de carcasse. Alors cette évolution aussi rapide, elle s'explique aussi par une augmentation de l'intensité du tri. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire qu'il y a une dizaine d'années, on avait pas mal d'essais sur la valorisation des mâles, notamment veaux sous la mer, barons bio et aussi les bœufs, des essais qui sont aujourd'hui terminés, et ce qui nous permet en fait de garder les meilleurs mâles pour faire des bœufs derrière. En gros, on va garder entre un tiers et la moitié des veaux mâles qui feront des bœufs derrière. Donc cette intensité du tri et la possibilité de garder en fait les meilleurs a permis aussi cette évolution aussi spectaculaire, aussi rapide du poids de carcasse sur les bœufs, quoi. Néanmoins, aujourd'hui, avec 480 kg de carcasse sur les bœufs, on est quand même face à une inadéquation avec la demande. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Alors, sur la question de l'efficience technico-économique, ce que présentait Julien à l'instant, la cinétique, par exemple, d'évolution du GMQ des vaches sur la phase de finition, elle est moins présente, en fait, sur les bœufs. On a moins ce questionnement-là parce qu'en fait, le GMQ des bœufs en finition est souvent supérieur à 1200 grammes de GMQ par jour. Ce qui veut dire que par rapport à l'approche qui vous était présentée, le produit de carcasse qui est généré en fait sur ces bœufs-là en phase de finition est largement supérieur en fait au coût journalier de la ration. Donc on a une efficacité technico-économique sur la phase des finitions des bœufs qui est plus élevée qu'en fait ce qu'on peut avoir sur les vaches. Par ailleurs, on a fait des travaux là-dessus, ça pourrait faire l'objet d'ailleurs d'un autre live, mais effectivement, sur des systèmes comme ça, sur des systèmes bio, à UGB constant, il pourrait être intéressant justement de valoriser davantage de mâles en bœufs, quitte à UGB constant, à baisser un petit peu en vêlage pour rester à UGB constant et toujours maintenir l'autonomie du système. Mais il serait plus intéressant de basculer sur un système naisseur-engraisseur de bœufs qu'un système naisseur qui permettrait en fait d'aller chercher la valorisation en bio en fait sur ces mâles. Néanmoins, ce qu'on a quand même constaté, c'est que les consommations de concentrés, alors là on les avait du sevrage à l'abattage, si on regarde aujourd'hui, on est sur une consommation d'à peu près une tonne de concentré, hein, 1040 kg du sevrage à l'abattage sur les bœufs, alors qu'il y a une dizaine d'années, on était plutôt autour d'un tiers de moins, donc 650 kg de concentré. Donc il y a eu quand même un accroissement de la quantité de concentré consommée sur les bœufs sur les 10 dernières années. Donc, des carcasses de plus en plus lourdes, tant sur les mâles que sur les femelles, quelques explications. Alors en fait, sur la ferme, depuis le départ, hein, on est bien sur un système prototype. Donc la ferme, elle est conduite comme une ferme normale. Du coup, on utilise tous les leviers techniques qu'on a à disposition pour améliorer les performances zootechniques et plus globalement les performances technico-économiques. Premier levier qui est mobilisé, c'est la sélection génétique. Donc on vous a dit qu'on avait une orientation génétique mixte viande, hein, le troupeau indexé sur les mères 104 en DM, 98 en DS, 100 en CRCF.
Là, ce qu'on vous propose dans le premier tableau, c'est toujours à partir de notre population de vaches de réforme, les 356 animaux. On a classé en classe les animaux selon leur niveau d'index sur les trois index retenus, CRCEV, DSCEV, DMCEV. Et on a regardé l'impact derrière sur le poids de carcasse. Qu'est-ce qu'on observe, hein, quand on a une génétique avec beaucoup de CRCEV, ben on se rend compte qu'on le retrouve sur les poids de carcasse. Hein, on a 37 kg de plus, en tout cas dans notre population, entre les animaux qui avaient un CRCEV plutôt inférieur et ceux qui avaient un CRCEV plutôt supérieur. On a fait la même chose sur le développement squelettique. Et là, on retrouve 22 kg d'écart entre nos deux sous-populations. Et enfin, sur le développement musculaire, eh ben on arrive à 14 kilos. Conclusion, hein, quand on mobilise les index génétiques qu'on a à disposition, que sont le CRCEV, le DMCEV et le DSCEV, eh ben on arrive à améliorer le poids de carcasse des animaux. En parallèle, nos animaux, eh ben on a fait ce qu'il fallait pour qu'ils soient bien nourris. Donc, sur les régimes en finition, on a proposé des rations autour de 0,85 UFV par kilo de matière grasse ingérée et toujours des équilibres autour de 100 PDI par UFV. L'idée étant de finir la totalité des animaux, donc c'est-à-dire qu'ils atteignent tous la note d'état d'engraissement 2-3. Donc des rations très très, très, très riches, hein. Concrètement, elles sont les suivantes, hein. C'est un fourrage de qualité proposé à volonté qui est complémenté par entre 4 et 6 kilos de céréales distribué en deux repas par jour. Voilà, donc des régimes adaptés qui ont permis aussi aux animaux d'exprimer leur potentiel de croissance. Et c'est pour ça qu'en fait, on a eu un accroissement du poids de carcasse et aussi un allongement des durées d'engraissement. Et enfin, dernier point, plutôt d'un point de vue physiologie des animaux, il est important de rappeler qu'en fait, comment les animaux valorisent l'énergie. On a vu en fait que... Non, on ne l'a pas encore vu, on va le voir après. Que pour l'énergie qui était distribuée aux animaux, elle est utilisée pour deux choses. La première chose, faire de la protéine, et la deuxième chose, faire des lipides, du gras. Sur la fin de la phase d'engraissement, on veut que les animaux y déposent du gras. Néanmoins, quand on regarde les coefficients de l'équation qui vous est écrite et proposée en bas, issue des travaux de l'INRA, eh ben on se rend compte qu'il nous faut deux fois plus d'énergie pour produire du gras que pour produire de la protéine et donc du muscle. C'est pour ça, ça explique notamment la courbe que je vous ai présentée tout à l'heure en cloche, où on voit l'évolution des GMQ sur la phase d'engraissement. Et ben on voit bien qu'à la fin, on produit du gras, et le gras coûte beaucoup plus d'énergie, donc à même ration distribuée, les animaux grossissent moins. Alors, si on fait une première synthèse et une petite mise en perspective de l'ensemble de ces constats-là, on peut dire que sur la ferme, voilà, on est sur des bovins, que ce soit sur les vaches ou que ce soit sur les bœufs, des bovins qui sont finis, qui sont lourds, qui sont relativement conformés, mais qui commencent à être pénalisés sur le prix. Donc là, sur un de nos enfin, sur notre opérateur, donc en bio, on a des réfractions de prix sur les bovins au-dessus de 450 kilos de carcasse. Donc il y a une classe 450, 480, 480 et 510. Et voilà, il y a une réfraction sur le prix et le prix commence à être pénalisé sur des carcasses qui sont trop lourdes. Et puis la deuxième chose qu'on a constatée, on a quand même des durées de finition, des consommations de concentrés qui augmentent. Et donc des interrogations assez fortes en fait sur l'efficience technico-économique au sein de notre élevage sur ces questions-là. Et puis l'autre question qu'il y a derrière, l'autre mise en perspective qu'on peut faire au travers de ces constats-là, c'est quelle adéquation ensuite avec l'aval, en distinguant un peu deux grandes portes d'entrée, soit une porte d'entrée filière ou une porte d'entrée consommateur. Alors les deux sont liés, hein, parce que la filière cherche à s'adapter évidemment aux attentes des consommateurs. Mais on va dire qu'on a plutôt une filière qui nous a déjà donné un signe sur le prix à la recherche de carcasses plus légères. Alors il y a plusieurs raisons. Il y a la raison aussi de la commercialisation. Donc sur la filière bio, on a à peu près deux tiers du volume en équivalent en tonne équivalent carcasse qui est commercialisé soit dans des GMS, soit dans des magasins spécialisés. Et de plus en plus sur des modes de type ce qu'on appelle UVCI, c'est-à-dire unité de vente consommateur industriel, donc c'est-à-dire que le muscle ou la pièce, elle est présentée déjà dans une barquette à disposition en fait du consommateur. Et donc il y a une problématique relativement forte entre la taille du piécé, la taille du muscle, et puis derrière la taille de la barquette. Donc, ce qui explique aussi cette recherche d'animaux avec des carcasses un petit peu plus légères pour s'adapter justement à la taille de cette fameuse barquette.
Et puis derrière, bah, les consommateurs, ce qu'ils ont aussi derrière, c'est des attentes environnementales. Et on peut distinguer un peu deux choses qui sont liées. Il y a la question de la compétition fit food avec des consommateurs qui s'interrogent de plus en plus entre, en gros, la part de la production agricole qui est utilisée pour nourrir directement des animaux ou celle qui va être directement réservée pour les êtres humains. Alors, logiquement, sur des bovins, sur des ruminants qui valorisent des fourrages et en particulier de l'herbe pâturée, c'est relativement. Ces bovins-là ne s'inscrivent pas dans ce concept de compétition. Sauf qu'évidemment, s'ils mangent pas mal de concentrés, bah, ces concentrés-là rentrent dans ce concept de compétition fit food, quoi. Et puis, il y a une demande, effectivement, d'avoir plutôt un élevage à l'herbe et à l'herbe pâturée majoritairement, quoi. Voilà, donc du coup, pour répondre à tous ces enjeux, eh ben, la ferme s'est fixée plusieurs objectifs. Donc, sur la problématique de l'engraissement et de la production de viande bovine. Le premier, c'est de trouver un levier technique ou plusieurs leviers techniques pour diminuer les durées de finition. Donc, première hypothèse, ça va être de diminuer le niveau de finition. Donc, ce sont des essais en cours qui sont sur la ferme où on va aller jusqu'à la qualité organoleptique de la viande. Deuxième levier, ça pourrait être gagner en précocité, voilà, avec des animaux qui déposent du gras plus rapidement. Donc comme ça, normalement, les durées de finition se retrouveront diminuées. Et la dernière hypothèse, ça serait de diminuer le gabarit des animaux. Donc ils auraient moins de muscles à déposer, ils déposeraient du gras plus rapidement, et du coup, on diminuerait les durées de finition. Alors pourquoi c'est important de diminuer les durées de finition? On le rappelle, c'est issu des travaux, c'est parce que les derniers kilos, sur des vaches jeunes, on les achète, et sur des vaches de plus de 6 ans, eh ben, en tant qu'éleveur, on perd de l'argent. Deuxième objectif, ça serait améliorer l'efficience alimentaire. Donc comment améliorer l'efficience alimentaire? Bah, toujours en essayant de gagner en précocité. Éventuellement en diminuant le gabarit, mais ça c'est une grosse hypothèse. Encore sur la précocité, d'un point de vue intellectuel, ça se comprend. Sur le gabarit, c'est moins évident. Et comment améliorer l'efficience alimentaire? Aussi en diminuant l'âge à l'abattage des animaux, parce qu'on sait très bien que les animaux jeunes sont plus efficients que les animaux qui ont de l'âge. Et enfin, dernier grand objectif qui reprend les propos de Bertrand dans la diapo précédente, hein, c'est produire une viande qui correspond aux attentes sociétales. Donc c'est diminuer le gabarit parce qu'on veut des morceaux de viande qui rentrent dans les barquettes. Voilà. On veut toujours produire une viande de qualité, parce que le consommateur ne se satisfera jamais d'une viande de moindre qualité. Et on veut aussi, hein, et ça c'est plutôt sur des aspects images, hein, augmenter la part d'herbe dans la ration. Alors il y a de l'image, et puis il y a aussi, quand on parle d'herbe dans la ration, il y a aussi des notions de coût de production. Voilà. Donc tout ça, hein, tous ces objectifs tendent à faire évoluer nos travaux vers deux objets, hein, que sont le gabarit des animaux et cette notion de précocité. Alors, si on pousse un petit peu sur cette hypothèse de précocité, pour expliquer un petit peu de quoi il s'agit, de quel type de précocité dont on parle, le graphique là qui vous est présenté, ça montre un peu le gain relatif de chaque tissu dans l'animal en fonction de l'évolution de son poids. Donc en gros, ce qui va déposer en premier, on le voit, la première courbe, celle qui est verte, c'est le squelette. Donc un veau, il va plutôt grandir, on va dire, la première phase, il va plutôt grandir. Ensuite, c'est le muscle. Et en dernier, c'est le tissu adipeux qui se dépose. Et la précocité, elle peut se définir un peu comme ça, c'est l'aptitude que possède un type génétique à réaliser rapidement l'état adulte, c'est-à-dire qu'il va vite atteindre la composition corporelle de l'état adulte. Et justement, peut-être pour un premier écueil des fois qu'on entend quand on entend précocité, c'est un petit peu par exemple les exemples de taureaux qu'on peut utiliser pour faire des productions de veaux sous la mer, où là finalement on va plutôt chercher les taureaux avec du potentiel de croissance, avec énormément de développement musculaire. Alors c'est une précocité en fait à faire du muscle, donc à la phase qui apparaît en violet. Mais ce n'est pas forcément une précocité à atteindre rapidement la composition de l'état corporel adulte et voire mettre du gras dans ces animaux. D'ailleurs, c'est une problématique. Des fois, on le voit sur des productions de veaux sous la mer, où on est obligé d'avoir des densités énormes et d'énergie sur les veaux, avec recours aux concentrés, voire même dans certains cas, avoir des tentes, c'est-à-dire des vaches qui vont ramener du lait supplémentaire pour essayer de charger au maximum en énergie, pour essayer de leur faire quand même déposer un tout petit peu de gras qui soit un peu couvert, ces veaux sous la mer.
dernière. Donc là, c'est bien de rechercher de la précocité. En fait, au lieu d'aller sur, on va dire, un étirement de ses courbes, parce que plus on va chercher lourd, plus on va étirer un peu ses courbes, donc le tissu adipeux va se déposer encore plus tard, et ben c'est d'essayer, au contraire, peut-être de ramener un petit peu plus tôt, parce que plus le type génétique, effectivement, sera tardif, plus sa cinétique de dépôt, elle sera tardive. Et ça, ces flux, ces différents gains, d'abord squelette, puis muscle, puis tissu adipeux, ça, on n'y peut pas grand-chose. Enfin, voilà, physiologiquement, ça fonctionne ainsi. Donc, les dépôts de gras, s'ils sont plus tardifs, les dépôts de gras sont aussi plus tardifs, et l'animal sera aussi plus lourd adulte. Donc, l'idée, c'est d'aller peut-être un peu dans l'autre sens, en essayant d'avoir des tissus qui se déposent un petit peu plus tôt, et qui, donc, le corollaire aussi derrière, c'est qu'en termes de poids de carcasse, ce sera aussi un petit peu plus léger. Voilà, donc à partir de cet état des lieux relativement large, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien que la race parfaite, elle n'existe pas. Nous, sur la ferme, on a de la chance d'avoir de très belles limousines, donc qui sont plutôt qualifiées d'une race dite mixte. Néanmoins, aujourd'hui, il s'avère très compliqué au sein d'une même race d'avoir du potentiel laitier, du gabarit, de la conformation, des qualités maternelles, des aptitudes au vêlage et de la précocité. Donc c'est de se dire qu'une race ne peut pas répondre à tous nos objectifs, sachant qu'on a plusieurs objectifs au sein d'une exploitation. L'un des premiers objectifs de l'éleveur, certes, c'est de produire de la viande, mais il y a aussi l'objectif de produire des mères qui vont assurer le renouvellement et qui vont être en mesure de produire des produits pour l'exploitation. Du coup, diapo suivante, Bertrand, s'il te Ah, plaît. bêtise. C'est pour ça qu'on a fait le choix, nous, de travailler sur la piste du croisement terminal. Donc, utiliser un taureau de race Angus. Alors, pourquoi la race Angus? Parce que c'est une race qui est précoce et qui a le niveau de précocité comme il vous a été défini là précédemment. Et c'est aussi une race de petit gabarit. Donc, du coup, on va l'utiliser uniquement en croisement terminal sur la ferme. Donc, tous les produits nés croisés sont destinés à la production de viande et ne seront pas remis à la reproduction. Comment on va faire cela? On va l'utiliser uniquement sur les génisses. Pour un premier veillage à 24 mois. Taureau Angus de plus petit gabarit, donc normalement facilité de veillage derrière. Donc on se permet en fait de réduire la phase d'improductivité des génisses en faisant veiller les génisses 6 mois plus tôt par rapport à ce qu'on faisait précédemment. Les animaux, du coup, production de bœufs et de génisses croisés. L'idée étant de produire deux itinéraires techniques, un itinéraire technique où on finit des animaux à 24 mois et un autre où on les finit à 27 mois. Ça, sera fonction de la saison de naissance. On pourra y revenir au moment du débat tout à l'heure si vous voulez. L'idée étant de produire des animaux avec des poids de carcasse entre 350 et 400 kilos, hein, qui correspond aujourd'hui à ce que peut nous demander la filière. Donc, cette introduction de taureau Angus, elle se fait sans remise en cause du troupeau souche. Et ça, c'est très important de le préciser. Pourquoi? Parce que le renouvellement du troupeau sera uniquement avec les filles des multipares. Donc, il n'y aura pas de problème, on aura toujours des limousines sur la ferme à Taurigny. Le taux de renouvellement sera légèrement diminué. On va passer de 30%, alors qu'avant, on était à 35%. Pourquoi? Parce qu'on aura moins de choix pour faire du renouvellement, pardon. On ne pourra plus prendre les filles issues des génisses parce que ce seront des animaux croisés. Et par contre, on maintiendra le niveau de finition. Pourquoi? Parce que sur la ferme, et ça depuis longtemps, on fait une sélection après le premier vêlage. Donc on met tous les animaux à la reproduction, on les fait vêler, et s'il y a des vaches qu'on ne veut pas remettre à la reproduction, on est amené à vendre le veau à 3 semaines. Donc du coup, l'introduction du croisement, en fait, ne va pas pénaliser le nombre de réformes qui sera réalisé sur la ferme. Alors concrètement, pour essayer d'illustrer un peu la nouvelle organisation du troupeau, donc là on vous a remis le schéma pour une période de vêlage, donc que ce soit la période de vêlage d'automne ou la période de vêlage de printemps. D'ailleurs, je devrais parler de période de mise à la reproduction, parce qu'effectivement, nous, à chaque fois qu'on construit un peu nos schémas de fonctionnement de troupeau, on rentre toujours par la mise à la reproduction. Pourquoi? Parce que c'est le seul moment où finalement on a vraiment la main pour choisir le nombre de vaches qu'on va mettre à la reproduction. Tout le reste, après, les taux de gestation, éventuellement les taux de perte, c'est des choses qu'on va subir. Donc on commence déjà par partir par les mises à la reproduction. Alors pour présenter un peu le schéma, on va commencer en haut à gauche par nos 30 vaches, donc elles qui sont limousines.
qu'on va mettre à la reproduction avec un taureau limousin. Donc, suivant les taux de gestation, on va avoir 26 vaches pleines et donc à l'issue des vélages, on aura 12 mâles et 13 femelles. Dans ces 13 femelles, elles vont constituer ce qu'on appelle nos génisses de renouvellement. Et c'est celles-là, donc là maintenant on remonte la flèche sur la droite, ces 13 génisses-là qui vont être mises à la reproduction à 14-15 mois avec un taureau Angus pour justement faire nos produits croisés. Donc on espère avoir 11 génisses pleines et qu'à l'issue, avoir une petite dizaine de produits croisés, moitié mâles, moitié femelles, qui eux seront engraissés, voilà ce que disait Julien, pour avoir des animaux autour de 24-27 mois, entre 350 et 400 kilos de carcasse, quoi. Et donc à l'issue de ça, ce qu'on a disponible après à chaque saison, et c'est comme ça qu'est construit un peu le fonctionnement du troupeau, on va se retrouver donc avec une 35 couples mère-veau, et dans ces 35-là, on va en conserver 30 qui remonteront et qui nous feront nos 30 vaches qui seront mises à la reproduction. Et voilà un peu comment va fonctionner un peu le système, donc en gardant un troupeau souche 100% limousin, et ce qui nous permettra de travailler sur un modèle croisé, d'acquérir de la référence sur ces animaux-là, tout en gardant, en ayant un processus qui soit 100% réversible, en sachant qu'on garde notre troupeau souche en limousin. Et donc, bah, pour poursuivre ce qu'on vous propose, on aura des premiers résultats sur les animaux croisés en 2022. Donc là, il y a les deux premiers croisés qui sont de l'automne dernier, deux photos donc, de l'automne dernier, puis une qui a été prise au printemps. Et puis ce qu'on vous propose, donc Julien a réalisé un petit reportage sur la ferme qui permet de présenter un peu le troupeau et puis d'aller voir quelques produits croisés quand même qui sont nés donc, des deux à l'automne et puis les premiers là, qui sont nés sur le printemps. Donc rendez-vous tout de suite sur la ferme. Nous voici sur la ferme expérimentale de Thorigné d'Anjou, sur la parcelle dite du Verger, qui accueille aujourd'hui nos trois taureaux reproducteurs qui sont utilisés sur la ferme. Donc deux taureaux de race limousine, Nino qui vient du GAEC Ouvrard, Lasco au fond vous voyez qui vient du GAEC de la Martinière, donc deux élevages du Maine-et-Loire, qui sont utilisés pour faire le renouvellement de notre troupeau. Et le dernier arrivé, bah, c'est le taureau de race Angus, donc qui se caractérise en fait par une morphologie beaucoup plus petite que ces deux compères de pâturage aujourd'hui. Taureau de race Angus, d'origine anglo-saxonne par le père et la mère, qui est donc utilisé sur toutes les génisses de la ferme pour un premier vélage à 2 ans. Alors voilà, ce taureau il se caractérise par une morphologie de petit gabarit. Et surtout, c'est un taureau en fait qui se maintient en état à peu près toute l'année. Et ça, c'est assez impressionnant, hein. Ça fait 1 an qu'il est sur le site. Et c'est un taureau qui a très peu perdu d'état. Alors, nous voici à présent dans le lot des vélages de printemps, qui accueille en fait les premières naissances, les premiers produits ici du taureau qu'on vient de vous montrer. Donc ce lot est au pâturage, hein, c'est assez normal à la saison. Donc pour l'anecdote, il pâture une prairie qui a été implantée sous couvert, pour faire le lien avec le live qu'on a fait la semaine dernière. Alors sinon, bah, parler de ces produits issus de croisements. Donc cette naissance croisée limousine Angus que sur des génisses qui ont vélé à 2 ans. Alors quels sont les premiers constats? Et bien, le premier constat c'est poids de moyen de naissance des veaux 37 kg. Donc ça va dans le sens de l'hypothèse qu'on avait posée à dire que le taureau Angus allait être compatible en fait avec un âge au premier vélage à 2 ans. Et que ça ferait partie des points positifs. Donc c'est qu'une première observation. Que dire d'autre? Et bah, sur la naissance, tout se passe bien. On a des veaux qui ont un comportement tout à fait normal, c'est-à-dire une bonne vivacité, un bon relationnel avec les mères, qui font qu'aujourd'hui, ils se portent aussi bien que les veaux limousins. Alors, nous voici à présent dans le lot des couples mère-veaux en vélage d'automne. Alors en fait sur la ferme de Thorigné, avant de se lancer dans des grands essais, surtout sur la partie zootechnique, on aime bien faire des petites observations avant
pour savoir où ça va nous emmener et prendre quelques hypothèses. Du coup, à l'automne 2018, on avait inséminé deux génisses. Deux génisses pour un premier vêlage à 2 ans, avec deux taureaux Angus. Et du coup, on a les deux premiers produits nés sur la ferme qui sont dans ce lot. Donc, c'est deux produits qui sont nés tous les deux à 32 kilos et qui aujourd'hui se comportent très très bien. Donc, vous avez le premier produit là, donc c'est Picotin, le veau qui tête sa mère là. Donc, lui, il est sorti plutôt marron, hein, il n'est pas sorti noir. Donc, Picotin, il va très bien parce que depuis la naissance, il tourne à 1250 grammes par jour. Donc, des performances qui nous surprennent un peu. Et en tout cas, qui sont de qualité, avec un veau qui exprime bien tout son potentiel. Hein. Il fait partie un peu des têtes de l'eau. Et le deuxième veau, il est là-bas. C'est Papang. Donc lui, qui tête sa mère aussi. Donc qui est né à 32 kilos, lui aussi. Sa mère avait lait à 2 ans, donc je me répète un peu là. Et lui, Papang, qui est sorti noir, voilà. Comme tous les produits qu'on a dans le lot du vêlage de printemps. Et lui, il a tourné à 1150 grammes par jour, là, depuis la naissance. Donc des performances tout à fait satisfaisantes. Donc, ce seront les deux premiers produits croisés qu'on aura sur la ferme. Et on va suivre leur performance plus pour prendre la température, quoi, et pour être le plus optimum après sur la valorisation des données issues des autres lots. Et nous revoilà. Merci pour ce petit reportage qui nous a permis quand même de voir une première illustration, ces premiers veaux croisés, à la fois dans nos lots vêlage de printemps et notre lot vêlage d'automne. Voilà, maintenant ce qu'on vous propose, effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer, on est là maintenant pour échanger, on peut prendre un petit temps d'échange. On avait déjà eu une première question sur la rubrique événements, donc on est prêt à répondre à toutes vos questions. Alors oui, une première question, on nous avait questionné sur le choix des taureaux en race limousine qu'on réalisait sur la ferme, et sous-entendu en fait à se dire pourquoi vous n'allez pas chercher plus de précocité en fait dans le choix des taureaux que vous utilisez. Et ben en fait c'est la difficulté de la définition de cette précocité. La précocité qu'on entend souvent en race limousine, ça va être la capacité des animaux à exprimer du développement musculaire rapidement, donc une génétique très très bien adaptée à la production de veaux sous la mer notamment. Et en aucun cas, la précocité que nous, on recherche là, d'un point de vue technique, qui va être la capacité des animaux à déposer du gras rapidement, ça, c'est un indicateur qui n'est pas encore évalué dans la génétique française. Donc voilà, d'où l'idée d'aller chercher une génétique complètement différente qui se veut très, très sûre en fait, sur cette notion de précocité. La race Angus, ça fait vraiment partie de ses qualités. L'idée non plus, c'est pas de dire que la race limousine elle est pas adaptée à ce qu'on veut faire. La race parfaite n'existe pas. Donc la race limousine, elle est très très bien adaptée pour faire certains produits. En l'occurrence là, on demande quelque chose de nouveau, et donc on peut pas remettre en cause plusieurs années, plusieurs dizaines d'années de travaux génétiques sur la question, alors qu'aujourd'hui il y a certaines choses qu'on fait très bien. Là, on va chercher quelque chose de nouveau. D'où l'idée en fait de ce croisement sans remettre en cause ce qui est fait aujourd'hui en génétique limousine. Je vais essayer de regarder si non, écoute, j'ai pas plus sur mon. Alors il y a une autre question de Caroline. Comment se font les phases finales d'engraissement à Taurigny? Donc nous l'engraissement, donc il y a deux phases d'engraissement. Il y a les animaux qui vont être engraissés en hiver, donc ceux-là ils sont en bâtiment. Ils disposent d'un fourrage de qualité distribué à volonté, dont la nature peut changer en fonction des travaux que l'on mène, et qui est toujours complété par une partie de matières premières, donc des associations céréales protéagineux, qui sont rationnées, maximum 6 kg par animal, mais en fonction de la qualité du fourrage, on peut être amené à diminuer cette quantité. L'idée étant en fait d'avoir une ration qui, d'un point de vue théorique, permet aux animaux d'exprimer 1200 grammes de GMQ par jour. Et puis voilà. Ok.
Donc ensuite, on avait une question de David. Pourquoi n'avoir pas utilisé un sans-corne limousin type mixte? Vas-y, Julien, je te laisse. Et bien, sur le sans corne type mixte limousin, donc bah, c'est ce qu'on fait en fait aujourd'hui sur la ferme. Alors c'est tout récent, mais encore une fois, hein, on est plutôt dans un profil où on va avoir une génétique qui va faire exprimer rapidement du développement musculaire et en aucun cas une capacité des animaux à déposer du gras rapidement. Donc c'est pas cette notion de précocité qui est recherchée. Il y a les critères de sélection du taureau Angus. Alors, en sachant qu'effectivement, là, on est allé chercher un rameau écossais, enfin, pas l'Angus américain. Donc, on est allé chercher dans le rameau anglo-saxon, mais on va dire le rameau écossais. Pour justement, lui, enfin, ce qu'on lui demande, c'est bien de ramener cette précocité en gras. Donc, on voulait quelque chose qui exprime vraiment cette notion de précocité en gras, quoi. Alors la question de Julien Mante, est-ce qu'on a prévu de faire veler des génisses à 2 ans avec des accouplements limousins? Eh bien non, non, pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez d'effectifs sur la ferme. Mais ça serait très intéressant de comparer effectivement les deux types de production issues de ces génisses qui veulent à 2 ans. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui l'utilisation de l'Angus, c'est plutôt une démonstration, un essai, ce qu'on va appeler système sur la ferme, et c'est en aucun cas un essai analytique parce qu'on ne va pas être en mesure de le comparer à une autre population. Alors, Robin qui demandait pourquoi le choix d'un taureau et pas des IA, le coût du taureau vaut-il celui des IA? Alors, je ne pense pas qu'on ait fait le calcul jusqu'au bout avec le nombre de mises qu'on a à la reproduction et de comparer par rapport au coût des IA. Maintenant, effectivement, si ce taureau fonctionne très bien et si on est satisfait, après, vu qu'il n'y a aucun de ces produits qui est utilisé pour le renouvellement, on peut le garder des années, quoi. Il peut être amorti sur beaucoup d'années. Et puis, l'avantage aussi peut-être des taureaux, là on est sur des mises à la reproduction 14-15 mois, en termes de détection des chaleurs, les taureaux ils sont parfois ouais, ils sont plus efficaces, on va dire, sur la partie détection, surtout que là, voilà, il y a un challenge aussi à avoir des génisses qui soient cyclées en fait à 14-15 mois, quoi. Voilà, donc une remarque aussi d'Anne-Laure qui va dans le sens de la question de Julien. Donc peut-être que dans les années à venir, hein, en fonction des résultats de ces travaux, on maintiendra le veilage à 2 ans et on le fera en race limousine. Donc pour l'instant, ce n'est pas prévu. Pour des questions d'effectifs, en fait, on ne peut pas répondre à toutes les problématiques en même temps. Et effectivement. Et par contre, après, ce qu'on peut dire quand même derrière, là-dessus, c'est plus d'un point de vue système, là. Ce qui est intéressant quand même, c'est que là, justement, cette capacité en fait à baisser en vélage 24 mois nous libère des UGB qui étaient consommés qui étaient des UGB génisses, quoi, sur leur phase de 24-30 mois. Et là, en fait, ces UGB génisses sont remplacés, parce que le système doit rester à UGB constant pour maintenir son chargement, pour maintenir son autonomie, ils sont remplacés en fait par des produits finis. Donc ça, c'est même, c'est un peu indépendant de la question, enfin purement direct de la question de l'Angus, mais ça peut permettre aussi d'accroître, hein, la productivité des UGB sur le système, ce recours en fait au vélage 24 mois. Alors, question de Marie, est-ce qu'on a prévu d'utiliser l'échographie pour évaluer le dépôt de gras sur ces produits croisés tout au long de la phase d'engraissement? Oui, c'est prévu. C'est prévu, hein, l'évaluation en fait de ce dépôt de gras, il va être fait par deux méthodologies. La première, c'est la palpation, la mesure classique est réalisée sur la ferme, donc palpation sur le ligament sacro-tubéral de la vache, enfin en l'occurrence du croisé là, et puis sur les deux dernières côtes, donc qui permettent de mettre une note et d'estimer la composition en gras du bovin. Et en parallèle, on va le faire avec un partenaire technique de la ferme, qui est l'Institut de l'élevage, qui va venir ré réaliser ces mesures d'épaisseur de gras sur 3 postes différents sur le bovin par mesure échographique. Donc oui, c'est bien prévu. Alors, une question de Denis, est-ce qu'on peut aussi l'imaginer sur charolais? N'y a pas de contre-indication, enfin la race, enfin, il n'y a pas de contre-indication, ouais, sur. Après, là, c'est pareil, si cette méthodologie. Alors, il y a aussi. Alors, pourquoi on a travaillé aussi là-dessus?
les élevages bio, de manière générale, font un peu les mêmes constats que nous, hein, ces aspects d'alourdissement, ces difficultés parfois à aller finir les animaux, des remontées de filières, hein, qui nous font état quand même des fois de, bah justement, de manque de finition, notamment sur des contextes un peu 2017-2018 avec des sécheresses récurrentes, donc on manque un peu de stock, donc là, en termes de finition, ça devient un peu plus compliqué. Et donc voilà, d'essayer de trouver une combinaison animale qui nous permette enfin, une combinaison génétique qui nous permette comment dire, de pallier, d'améliorer un peu notre finition, on peut le retrouver dans pas mal de systèmes, quoi. Alors une autre question sur la vitalité en fait, la vivacité plutôt des animaux croisés. Donc pour l'instant, on a eu 9 naissances. Ça se passe très bien. Il est impossible de conclure sur le fait que les animaux croisés se comportent mieux que les animaux de race pure. Je pense à l'issue de 2 ans d'observation, on pourra donner une tendance là-dessus, sachant qu'elle n'est pas objectivée avec des mesures précises. C'est plutôt de l'ordre du ressenti de l'éleveur. Donc, bon, bah, c'est des choses qu'on note, qu'on observe, il n'y a pas de souci. Mais bon, aujourd'hui, on ne peut pas mesurer clairement. Et une autre question là sur est-ce qu'on peut améliorer avec ce croisement à la fertilité des génisses? Bah, la fertilité des génisses, elle ne sera pas du tout impactée en fait, parce qu'on reste sur nos génisses en race pure. Éventuellement, on aurait pu aller travailler sur le modèle croisé, voir si le modèle croisé était plus fertile, mais on ne le souhaite pas. Nous, c'est un croisement terminal, donc toutes les génisses croisées qui pourraient être différentes en fait en termes de comportement que nos génisses limousines, elles ne seront pas mises à la reproduction. Ok. Donc là, il y en a une partie plutôt de questions autour coût de production plutôt économique, quoi, avec l'idée d'Aubert sur est-ce que la baisse du coût de production compensera la perte de conformation et de performance, la notion de prix aussi qui vient derrière. Donc là, on a des interrogations quand même là-dessus. Et puis, l'augmentation des concentrés, finition 100% à l'herbe est-elle impossible? Alors bon, ouais, c'est difficile de faire la synthèse des trois, mais on va quand même essayer. Alors après, sur les aspects de coût de production, ce qu'on peut essayer d'imaginer, c'est qu'avec la réduction de la durée de vie, entre guillemets, avec du 24-27 mois, même si on le compare par rapport à notre modèle de référence, qui là sera plus notre bœuf de 32 mois. Et là, enfin, l'approche économique, elle sera à faire là-dessus. Est-ce qu'effectivement, on va perdre en produit, hein, mais est-ce que la baisse du coût de production par rapport à nos bœufs qui consomment une tonne de concentré, est-ce que le jeu en vaut la chandelle, quoi. Donc il y a cette première question-là. Après, en termes de prix, pour l'instant, voilà, on sera sur une prix grille croisée, donc qui sera certainement moins intéressante, hein, de ce qu'on a aujourd'hui. Ça c'est clair. Et la question de la finition à l'herbe. Alors, éventuellement, peut-être que sur ce type d'animaux, on envisage effectivement d'aller tester différents itinéraires techniques. Après, la question de la finition à l'herbe, elle nous est souvent posée. Elle n'est pas forcément évidente comment dire, à mettre en place, dans le sens où, en fait, les périodes de l'année où on a des animaux à disposition et qui correspondent à une offre en termes d'herbe de qualité et on va dire en quantité, c'est-à-dire le printemps, en fait, on n'a pas énormément d'effectifs d'animaux à cette période-là. Donc les seuls où on pourrait éventuellement envisager de travailler là-dessus, c'est les animaux croisés qui vont naître en fait au printemps et qui auront bah, 24 mois au mois de mars. Et là, effectivement, eux, peut-être d'envisager de faire des essais sur de la finition à l'herbe, sur ce modèle croisé, avec un régime, pourquoi pas, 100% à l'herbe pour voir ce que ça peut donner, quoi. Alors, pour revenir là sur l'impact économique, ce qu'il faut retenir, c'est que on est sur une ferme expérimentale. L'idée, c'est vraiment de tester l'opportunité d'un itinéraire technique et l'objectif en fait de ce croisement pour nous, c'est aussi arriver à quantifier l'impact d'un gain de précocité sur modèle animal en termes de performance zootechnique. Voilà, on n'est pas encore dans la phase de mise en application. Hein, à l'échelle de l'élevage et d'amener en fait une rentabilité à ce genre de croisement. Bien sûr, c'est quelque chose qui sera étudié avec les résultats qu'on va obtenir au fil des années. Mais aujourd'hui, en fait, on n'est pas en mesure de vous dire, mais oui, allez-y, c'est quelque chose qui est pertinent. On a besoin de quantifier les choses. Si ça se trouve, on va rien voir. Voilà. Si ça se trouve, on va voir beaucoup de choses. On va voir des dépôts de gras qui vont se faire beaucoup plus rapidement. On avance avec des hypothèses. Voilà.
Il y a la question de Sébastien aussi, pour la filière bio, les animaux croisés sont-ils faciles à vendre et à quel prix? Alors après, la question c'est pareil, ça rejoint un peu ce que vient d'évoquer Julien, c'est de dire bah, on va essayer de construire un itinéraire technique pour des animaux qui peuvent potentiellement à terme répondre à une demande de filière en termes de taille des piécés, taille du muscle, etc., niveau de finition, etc. Après, ça c'est à voir, hein, c'est à voir si on arrive à construire là-dessus. Donc après, si ça peut correspondre à une demande, un créneau de valorisation derrière, potentiellement la filière va peut-être y regarder de plus près, quoi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette thématique qui suscite beaucoup de questions. Donc, bah, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre sur la page Facebook. On vous répondra dans la journée, il n'y a pas de souci. Et ben, on vous remercie d'avoir participé à ce direct, ce live. On va maintenir l'opération au moins jusqu'au 11 mai. Donc l'idée là sur les 2 prochaines semaines, c'est de vous proposer deux thématiques autour de la productivité de l'herbe. Semaine prochaine, on va plutôt s'intéresser à la nature des prairies, avec pas mal de travaux qu'on a réalisés sur la ferme, et notamment des choses récentes avec l'utilisation de chicorée et de plantain. Et la semaine d'après, on a prévu de vous présenter certains de nos travaux en fait sur la valorisation de l'herbe au pâturage par les animaux, sur 2 modèles animaux, hein, que sont les couples Mervaux en vêlage d'automne, les couples Mervaux en vêlage de printemps, et aussi, j'ai oublié le troisième, les animaux en croissance, les génisses. Voilà. Et bien sûr, on vous souhaite une bonne fin de journée et on vous dit à la semaine prochaine. Bonne fin de journée à tous, merci de votre participation et puis à la semaine prochaine.